suis Finch, celui qu'on appelle Finch l'architecte. Et cette ville est ma ville. Seul ce monde souterrain que j'ai créé peut vous sauver de la mort qui vous attend dehors. Car notre planète agonise. Sa surface est empoisonnée. Et ceux qui prétendent le contraire mentent. Nous devons rester ensemble. Ici. Il n'y a pas d'autre choix. Parfait, Walter. Et ici, c'est le dernier refuge qui nous reste. Ça me fait plaisir. Je suis là pour ça. Oh. Sale boulot de courtisan et de macro. Je m'y habituerai jamais, 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 jamais. Je suis pas né pour ça. C'est à moi, Lily. Laisse-moi. C'est à moi. Laisse-moi. Lily. Anna va témoigner cet après-midi. Et après, elle sera libre. Libre? Vous savez bien que Walter veut sa peau. Tu crois qu'elle ne reviendra pas? Mais bien sûr que non. Et si on pariait? Tu joues? T'es quoi pour jouer le sang d'Anna? Quelle conne! Oubliez Anna. Il faudrait plus de distractions ici. C'est triste et inhumain. Comme tous les hommes, Walter s'en fout. Et puis il n'est plus ce qu'il était. Moi un jour, je serai numéro un, ici au building. À ce moment-là, on reverra les choses. Oui, ma belle, oui. Qu'est-ce que t'as fait pour Anna? Belle. Et bonne technicienne, Anna. Je l'ai dit et redit, oui, il a tué Lily. Est-ce que c'est nécessaire que je le jure encore une fois? D'accord, je le jure. Vous voulez parler de la prostituée Lily Ashker? Oui, elle était mon amie. Je suis là pour présenter l'addition et il va payer. Je veux qu'il paye. Vous persistez à affirmer que c'est l'accusé Roger Spiritione qui a assassiné la prostituée Lily Ashker? Je persiste. Je suis Walter Spiritione. Et Roger Spiritione est mon frère! Hein, juge? Je t'avais dit de faire le maximum pour mon frère. Mais 5 ans pour un meurtre prouvé, c'est rien. 5 ans? Tu sais ce que c'est, 5 ans entre 4 murs? Ça
5 ans à pourrir. À espérer. Mais t'en as rien à foutre de la souffrance de mon frère. Mais je l'aime, mon frère. Est-ce qu'un rat de ton espèce peut comprendre ce type de sentiment? Hein, salope? Je tiendrai pas le coup, Walter, je pourrais pas. Il le faut. Il faut. Il faut qu'on tienne le coup. Le centre de surveillance prie Walter Spiritéone de sortir immédiatement. Il est beau notre nom. Ça claque. Spiritéone. Walter, t'es tout pour moi. Je devrais pas te le dire. Quand tu sors, la petite Anna, elle t'attend au building. La petite Anna, pour toi tout seul. Et voilà Anna voisin, le mouton. Méfie-toi, ma jolie. Les hommes de Walter sont toujours au rendez-vous et toujours efficaces. Tu comptes sur liberté? Tu te gourres? C'est pas ces merdeux qui sauveront ta peau. T'aimerais bien être dans ma peau. Mon trésor. T'aimerais ça. Crève. Tu as fait ton choix. Voilà. Tu es libre de partir. Oui. Tu es libre. Et libre. De quoi? Finch l'emmerde. C'est Mario qui va la retrouver, cette petite salope. C'est Mario. J'avais pas le choix, tu sais. Ellie et moi, on était comme deux sœurs. Deux sœurs. Elle est rentrée en même temps. Ça se passait toujours bien entre nous. Là, tu vois, on a 16 ans. On a grandi ensemble, Bobo, Lily et moi. Si je te disais où. Alors même toute petite, on rêvait déjà au building. La réussite. Ma mère a pleuré, tellement elle était contente. Moi, j'ai pas d'ambition. Le building, ça m'a toujours impressionnée. Alors je reste ici, dans mon labo. Moi aussi, je resterai bien ici. Mais il faut que je quitte la ville. T'as peur? Les hommes de Walter sont partout. C'est liberté aussi. Doucement, doucement. Départ de la navette pour le forum de la cité. Embarquement immédiat. Attention, Anna, t'es là. Mais rien qu'une petite piqûre pour te calmer. Fais-toi raisonnable.
qu'est-ce qu'elle a fait, cette petite pute? Elle a tué Mario. Il y en a marre des amateurs, non? Il me faut un professionnel. Un vrai. Alors tu peux prendre Nelson. Nelson. Pour terminer, en Europe Nord, les surfaces cultivables sont en diminution approximative de 0,7. Tendance confirmée pour les 6 mois à venir. C'est tout? Ah, ce matin, un news bien renseigné sur les activités du groupe Liberté. Quelle impression? Emmerdant. Emmerdant. Walter Spiritone est là, papa. Ah, à toi, Walter. Pourtant, tu sais très bien que ma future ville prime tout pour moi. Walter, laisse tomber la tragédie. Tu es devenu un homme d'affaires, tu n'es plus un truand. Je ne peux pas laisser cette pute s'en sortir comme ça. Ton frère est insignifiant. Tu es aveugle, Walter. Ce pygmée te manœuvre. Tu cognes le juge, le building ne rentre plus de fric. Tu t'épuises à venger ton frère. Faut que ça cesse. Tu laisses tomber cette fille, sinon, Roger. Mon frère. Garder ici pendant 5 ans. Bah, faut me la ramener. Je veux qu'elle soit là quand Roger va sortir. Ça sera mon cadeau. Ouais, mais ça me dégoûte de travailler pour ton frère. C'est ça le fameux Walter Spiritone? Oui, même. Je les imaginais pas du tout comme ça. Ils voient exactement comme ils sont. Petits, vieux et périmés. Tu bosseras avec Nelson. Nelson, dès qu'elle sera là, tu butes ce mégalomane. Comme ça, il n'y aura plus que du silence dans cette affaire. Le job que va te proposer Walter n'a pas l'accord de Finch. Ça m'arrange. C'est peut-être la dernière erreur de Walter. Oh, la dernière erreur. Kim, messieurs les techniciens, s'agit pas de tuer. J'espère que je vous déçois pas trop. Le procès de Roger. Je l'ai dit et redit, oui, il a tué Lily. Il s'agit de la ramener vivante. Ici, la petite Anna. Mais je suis là pour présenter l'addition et il va payer. Je veux qu'il paye. Je t'arrache l'âme.
C'est Liberté qui s'occupe d'elle. Gilbert connaît la filière. Notre secteur. Notre niveau. Notre niveau. Ça paraît être le plan exact et officiel de la ville. Alors en deux jours, on a vu que c'était faux. Peut-être que jamais il y a eu de vraies cartes. Et si on les avait laissées là pour qu'on les vole? Ce qui est important, c'est qu'on leur a donné encore une fois la preuve de l'existence de Liberté. Et c'est toujours une victoire de montrer qu'on est là. C'est vrai, Carl a raison. Et c'est aussi une victoire d'avoir pu récupérer Anna. Alors, si on réussit à la faire sortir de la ville, tout le monde parlera de nous. On a un dispositif pour prendre Anna en charge. Tout devrait bien se passer. À nous de jouer. J'arrive pas à dormir. Je savais pas que j'étais enfermée à clé. T'as pas le droit de dire ça. On prend tous des risques. Et même ceux qui t'ont jamais vu. Excuse-moi. Il faut que vous compreniez. Ma sécurité, ça regarde d'abord moi. Oui, Anna. Astrid, oui, Anna. Loin d'ici. Pas toi. Peu importe. Je vous ai échappé. Thank you.
C'est qui? Tu vas me parler? Je veux. Restez là. Restez là. Mais chez vous. J'ai jamais été patient. Je t'emmerde. Je... Ah, tu vois pas que c'est mieux pour elle si tu parles, non? Restez là. Moi, je me sens bien ici. Cette machine est momentanément hors service. Parlez, non ? Parle. Bon, déjà, on se ressemble, non ? Mais c'est quoi la liberté ? Mais c'est quoi ? C'est un truc de vieux. De vieux. Mais pourquoi souffrir pour ça ? Pourquoi ? Tu m'emmerdes. Allez, parle ! Parle. C'est facile de faire parler de la viande hachée, hein. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse, alors. Faut que tu trouves ton style. Surtout avec quelqu'un qui a des couilles. Et lui, il en a, tu vois. Dégage. Dégage. Et Laetitia, on la trouvera, t'inquiète pas, hein. Ça va? Je vais t'aider. On n'a plus besoin de toi. Je te donne ta vie, tu vois. Tu t'en vas. T'as pas parlé, c'est bien ça. Vas-y, va-t'en. Boissons protéinées vont être arrêtées pendant 10 minutes. Vous avez 10 minutes pour vous approvisionner. Contrôle d'urgence. Contrôle d'urgence. Vous entrez dans une zone réglementée. Retour immédiat demandé. Thank you.
crois pas, Bled, hein. J'ai des mauvais souvenirs dans ce genre d'endroit. Thank you.
Si j'étais à ta place, je resterais pas là. Dans le bled. Bougez pas! Il a un camion. Il a de l'imagination. Il a fait une guerre ou plusieurs. C'est comme moi d'ailleurs. Ça rassure. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils ont perdu le sens du commerce? Oui, pour une pute qui a ouvert sa gueule, oui. Pourquoi? Ils ont tué mon ami. Et alors? C'est moi qu'ils ont foutu en prison. Moi, le témoin. Ils voulaient que je dise que j'avais rien vu. Elle ne comprend pas, monsieur le juge. Je vais te traduire. Il n'y a pas une seule cause qui mérite un martyr. Dis-moi qu'on se comprend. Mais j'ai refusé. Et alors, ils ont tué tous les gens qui m'aidaient. Maintenant, c'est ton tour. Ça a toujours été mon tour. Je suis arrivé, j'avais des problèmes. J'ai redémarré. Tu peux faire mieux puisque je t'aide. Souvent on m'a dit ça. Faut savoir fermer la porte. J'offre une tournée. Et bouge. Allez, allez, du large, le tracteur. Réveillez-vous les cercueils. Ouais. Le deux de ma cloche. Viens, Toby. Assieds-toi, ma chérie. À partir de maintenant, t'es plus qu'un gros yeux qui voit tout. Après cette partie, y a plus rien qui pousse dans vos poches. Je peux pas, quoi. Ah, l'Amédéus, t'es eu encore une fois. J'ai besoin de toi. Amadeus. Alors comme ça, tu voulais poignarder ma confiance? Eh ben, vas-y.
mariage. Je t'avais pas oublié, bébé. Comme toi, ça porte pas n'importe quoi. T'as qu'à faire avec ça. Ben oui, bébé. Regarde ma gueule. Ravagée. Là. Istanbul. Là. Tu vois? Henri. Et là? Je t'en cause même pas. Qu'ai-je oublié? Regarde là. Là. Pierre Teller. Dit Diesel. Quelqu'un qui faisait peur. Voilà un mec qui a changé en bien. Normal à mon contact. Tu verras. Allez, bébé, allez, ouais, tiens. C'est fini, quoi. Oh! Attendez! Allez, allez, on va faire le fait. Allez, hein. Je t'en... Il habite ici, Diesel? Oh. À sa manière, quoi. Il est souvent loin. Mais maintenant, il revient. Viens voir le ventre de Diesel. Il est arrivé un jour comme ça, cassé de partout. Il revenait de la guerre, d'ailleurs, de l'enfer peut-être, pas savoir. Bon, alors je l'ai soigné. Enfin, j'ai soigné son corps, parce que... pour ce qui est du reste. C'est pas facile à comprendre, hein. Faut que tu te barres. C'est pas un coin pour toi ici. Ok. Je m'en fous. Hey! Mais qu'est-ce qui se passe? Non mais t'as trouvé ta niche ici. Je comprends, c'est pas moi qui vais t'emmerder. Qu'est-ce que t'as bouffé? Qu'est-ce que t'as? Mais tu veux savoir ce que j'ai? Tiens! J'avais trouvé un toit, je commençais à me sentir bien et toi tu me chasses. Chasse. Qui a dit ça? Allez, allez, accouche. Tu pouvais penser que j'allais te laisser partir seule? T'es pas folle? Ça va, tu partiras avec moi? C'est ce que je veux. C'est vrai, c'est juste, c'est exact, c'est mon envie. Arrête. Arrête. Tu vas m'aider. Des néons. Il y a moins que des bougies. C'est mon image de marque, alors. Ben voilà. Bravo, les électrons. C'est comme ça que j'envisage les rapports de force, moi.
Je voudrais que tout le monde crève. Moi inclus. J'en ai marre de tourner dans ce bled. On est sur lui, on le tient. Je vais peut-être avoir besoin de toi. Quelque chose là, tu captes ou quoi? Voilà, il est là. Allez, tu le doubles. Fais gaffe, hein. C'est ce qu'on a fait. Ouais. On y va. Vas-y, prends le bâton. J'essaie de faire. Tu passes là, vas-y, ouais. Là. On est perdu! Vous pouvez vous arrêter là! Vas-y, mets-toi là! Arrête-toi! Vas-y, coince-le, mets-toi devant! Hein. Bel objet, ami. Belle nuit. Pas trop de brouillard. On a trop de brouillard par ici. Niveau pneumatique. T'es content alors? Pas trop, non. Comment tu la trouves, Anna? C'est une fille à nous, c'est pas n'importe qui. Ça m'étonne pas, c'est une cinglée. Elle s'est barrée dès que je suis arrivé. Il nous prend pour des cons. Ça, c'est pour la voiture piégée. Ça, c'est pour le bled. Et ça, c'est pour moi. Mais on se connaît, non? On n'aurait pas eu peur ensemble. Je sais pas de quoi tu veux parler. Joue pas trop avec moi, le malin, hein? Bon. Alors? Maintenant, ça va mieux? Vous parlez? Alors, où elle est?
personne. Je connais pas. Barrez-vous. C'est valable pour toi aussi. Certainement, Scott. Oh merde, ce mec. J'aime pas les ombres. Ça par là. Non, ça va pas. J'ai acheté un type qui passait. C'est bien. Hein? Non, je voulais te faire un cadeau, mais ici on peut pas acheter. J'ai préparé ça pour toi parce que j'aime fabriquer des choses. Est-ce que t'as envie de me baiser, oui, et que t'as que ça dans la tête? Ah non. Ah non, non, c'est pas ça. Parce que je te trouve plus belle que tu te trouves. L'offre parce que je veux partager. Voilà. Ah ouais, ouais. Ah oui, c'est tout l'air. Oh la vache. Il était à genoux. Hein. Il avait les tripes d'or, Nino. Tu parles de ce bâtard de routier? Je crois qu'il était mort, lui. Je t'imagine pas avec des souvenirs. Quel con. J'ai voulu faire ce métier pour les mêmes raisons que les autres. Le fric. Regarde. Regarde. Regarde dans le trou, regarde. Tu vois, quand t'es capable de regarder là-dedans, tu peux me parler. Alter, tu m'écoutes? Alter? Salut, Silver. L'ami fidèle. On est chez Amadeus, Walter. Chez Amadeus? Qu'est-ce que tu fous chez ce salaud, hein? T'as déjà oublié qu'il nous avait trahis? Trahi, il a pas trahi, il a choisi d'aller vivre dans le bled, c'est tout. Qu'est-ce que t'es en train de me dire, Silver? Tu me trahis toi aussi? Je suis ton ami, Walter. Pourquoi je te trahirais? Alors ramène-moi cette fille, tout de suite! On cherche, Walter, on cherche. Et c'est pas facile, crois-moi. Tout est pourri ici. Tiens. Même moi, je pourris. Walter. Ramène-moi cette fille tout de suite, Zilber. Sans ça, t'auras même pas le temps de pourrir.
Je suis content de me retrouver avec toi. Et les autres histoires avec Walter, tu te rappelles? Je pue. Alors, prends un bain. J'ai besoin de me souvenir qui je suis. J'ai besoin d'être sale. J'ai eu trop peur. Ils m'auraient fait bouffer de la merde s'ils avaient voulu. Nelson, Rémi, les deux, là. Et comment t'as pu permettre ça? T'as pas honte? Et quoi, Bobo? Dans le contrat, on vend notre cul à nos amis. Et cette fille? Astrid. Et Karl? Oui, Karl. Et tous les gens de liberté. Comment tu sais ça, Bobo? Comment tu sais ça, hein? Et bientôt, ça sera moi. Finch, il doit le savoir. Hein? Il doit le savoir, Finch. Alors, Roger va mourir. Parce que Finch, il va le tuer! On va finir par te crever, Walter. Où est Léana? Où est Léana? Tu fais la guerre? Oh, laisse-moi tranquille. Même un piranha, on peut pas l'emmerder sans arrêt. J'ai des cauchemars, j'ai mal dormi, j'ai mal partout. Ça te va? Puis j'ai peur que tu partes. Non. Pour aller où? Tu peux venir ici. Ben... Il y a toi, il y a des ailes. C'est pas brillant, moi. Oh... Toi, t'as eu de l'ambition, hein? Moi aussi. Je t'ai connu Istanbul. Il était ici. C'est bien? Bien. Ouais, c'est... Si on veut, quoi. Ouais, ouais, t'es bien. Moi aussi, j'ai voyagé. J'ai même eu de la classe. Je dormais dans le lit des boss. J'avais des culottes tellement chères qu'on les voyait presque pas. Oh, arrête. Et tu vois, moi, je suis ici. Pour combien de temps? Je veux plus signer de contrat avec personne. Je connais Nelson. J'en ai marre de courir. Fais-moi confiance. Roger.
C'est vraiment la fin d'un mec. Walter est en train de foutre en l'air le building. Je n'arrive plus à rien avec les filles. Et puis ? J'ai peur qu'on ne puisse plus jamais les faire travailler. Je sais. J'aurais dû y réfléchir plus tôt. Je n'aime pas les initiatives personnelles. Moi, je t'attendais pour régler définitivement le cas Spiriteone. C'est ce que tu veux, non? Je veux ce qui est bon pour nous. Bon? Alors, on va se dépêcher de monter au building. De donner cette image de toi. Ça m'attriste. Ça m'attriste de voir ce que tu es devenu à cause de ton frère. Tu peux vivre. Mais tu dois partir. Je veux que tu quittes le building tout de suite. Entendu? Entendu, Walter? Tu as tué mon frère. Ils sont servis d'un fil de fer. Sa chair s'est déchirée. Walter. Sa langue a germé. Ses yeux ont éclaté. Il a tout lâché dans son pantalon. Tu continues, Walter. Alors c'est Kim qui va te remplacer. J'aime pas les fous, Walter. Va-t'en, sinon, là, tu vas vraiment crever. Kim! Avec qui tu vas me trahir maintenant? Vite ce grand jour. Allez, réveille-toi, le pire. Réveille-toi. Le camion avec la grue, qui c'est, hein? C'est qui ce type? Il boit avec qui? Il baise avec? Moi, je connais personne ici. Attention. J'ai vraiment rien à vous cacher. Alors marche court et vous vous renflez. Qu'est-ce que vous attendez? J'ai plus qu'à démarrer. Je voudrais venir, moi. Mais c'est pas possible. Boire et manger, c'est le boulet de la pauvre Mickey. Ça y est, elle repart, là. N'est-ce pas? Qui est là? Diesel. Amadeus. Je suis dans le 17. Qu'est-ce que tu fous dans le 17? C'est pas ton coin. J'ai ce putain de camion, je comprends pas. Il s'est embourbé. Tu peux vraiment pas te démerder tout seul? Je peux pas m'en sortir tout seul, désert. Bon, qu'est-ce que je fais? Amédéus a besoin de moi. Thank you.
Allez. Je pense que Walter va te garder pendant 5 ans pour te donner en cadeau à son frère. Qu'on a bousillé 6 personnes pour ça, pour toi. Vraiment con. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est quoi, c'est à lui? Ça porte bonheur? Tu crois que ça va te porter chance, maintenant? C'est trop tard, tu sais. C'est vide, le vieux. Y'a quelqu'un ? Je peux presque les sentir. On dirait que c'est fini le building. Fini, Walter.
Nelson. T'aurais dû me parler. Ce jour-là, j'ai cru que t'étais mort. C'est vrai, Toller, je t'ai pas abandonné. Thank you.
Envoyez le son. Franchement, ça m'énerve de les laisser tranquilles. Tu es prêt, papa? Pour l'instant, ils n'ont remporté qu'une victoire insignifiante. Mais, déjà des bruits courts, les petites gens parlent. Le mot « liberté » est murmuré. C'est ennuyeux de donner l'essence à un mythe. Rien de plus dangereux pour notre pouvoir. On est obligé de les laisser vivre leur petite existence dérisoire. Coupe. Je dis bien? Très bien, papa. Envoyez ça à mes associés. C'est ce qu'ils veulent. Monsieur Courant, vous êtes un homme d'affaires? Alors, faites des affaires. Ne vous mêlez pas de politique. Laissez les ennemis du peuple là où ils sont. Il n'y a rien de bon là-dedans. J'avais insisté pour que je vous explique que Steger était notre objectif.
Geschichten, Ihre Papiere. Ja, ja, sofort. Non! Heinz a été exclu du parti. Il a perdu son poste au ministère. Mais pourquoi? Je ne sais pas. On lui reproche des choses idiotes. De me donner un coup de machette. Oh, sale nègre, tu vas avoir affaire à moi. Qui est cet homme? C'est Joxer, il veut fouetter frère Barnabé. Et qui sont ces gens? Ils sont de la plantation. Et ces cavaliers? Les tontons, monsieur. Le fait d'avoir fait crucifier Joshua, voyez un peu le résultat. Ils ont leur martyr maintenant, et ils vont prier pour avoir leur miracle. Pourquoi ils crèvent pas? Pourquoi ce porc crève pas? Ne me demandez pas ça à moi, mais à votre bellâtre homosexuel dont vous êtes folle amoureuse. Il leur montre le mauvais exemple en essayant de retirer Joshua de la Sainte Croix. Qu'il soit maudit, ce Ronald! Tout est de sa faute! Le ciel va enfin reconnaître son iniquité et la terre entière va se soulever contre elle. Prenez-la, j'ai dit, prenez-la! Avec le chauffeur. Bonnie, un vieil ami. Et... Moi, c'est Cora. Demande-moi ce que tu veux, je le fais. Merde ! Laisse-moi, merde ! C'est ta mère qui t'a fait comme ça? Non, elle m'a trouvé dans une poubelle. Elle a toujours dit ça. Qui fait monter le soleil, qui tamponne ses collègues et les nouveaux qui arrivent, et vous, vous restez là sans rien dire. Et ça encore, c'est qu'un début. Ici, on a tous été tamponnés. Celui-là, moi, il y a des fois, il me fait rigoler, mais il y a des fois, il me fait chier, ma parole. Ah, non, moi, quelquefois, il me fait peur. Eh ben, moi, il me débecte littéralement. Quand même, vous auriez pu me prévenir le premier, non? Quarante tours. Tu crois que j'y arriverai pas, hein? Eh ben si, j'y arriverai, Oscar Billy, pour l'amour que je te porte. Schizophrène, kleptomane, coprophage, fétichiste, sale con. Eh tiens, à poil à l'arrivée. Deux. Oscar Billy voit tout, il entend tout, et il n'oublie pas. Et il ne subit la loi de personne. De personne! Dites-lui de respirer profondément. Trouvez une impasse, Bawain.
combattrons jusqu'au dernier. Où nous mourrons. L'ennemi nous a sommés de nous rendre. Jamais. Nous ne nous rendrons jamais. Plutôt mourir jusqu'au dernier. Et pas. Ah, et pas aussi. Pas. Allez, moi aussi. Oh oui. Pas. Vive l'Italie. Pas. C'est Didi qui l'a tué. J'ai pas fait exprès. J'ai signé ton arrêt de mort. Pour Martial. Messieurs, la glorieuse 31e section du service de santé n'a pas eu la chance jusqu'à présent d'aller au front. Or aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est le front qui vient à la section. Et donc, pour cette raison, on pourrait penser qu'il est affecté d'une forme de psychose délirante et chronique. Excuse-moi, de qui tu me parles? Comment ça, de qui je vous parle? Je vous parle du capitaine Pilly. À moi la droite! À moi la gauche! Vous êtes encerclés, messieurs! À la tête! Vive la guerre!